أزول في اللاكوينت أزول في اللاوين ما طولام تغلاسمت. Je m'appelle Amina Metouchi, je suis directrice d'études à l'École pratique des hautes études et je suis spécialiste de linguistique des langues amazigh. Depuis plusieurs années, parallèlement à ma recherche fondamentale, je suis engagée dans la préservation de la diversité des langues amazigh et de la richesse des traditions qui leur sont associées. Vous ne le savez peut-être pas, mais le berbère ou l'amazigh n'est pas une langue unique, mais une famille de langues, comme la famille des langues romanes, dont font partie le français, l'italien, le catalan, le roumain, ou la famille des langues germaniques, dont font partie l'anglais, l'allemand, le frisien, le néerlandais. Ces langues amazighes sont parlées dans le nord de l'Afrique depuis plusieurs millénaires, de l'océan Atlantique, avec les îles Canaries, jusqu'à l'oasis de Siwa, en Égypte, et de la Méditerranée jusqu'au Sahel. Elles sont autochtones. On ne connaît pas de langue plus ancienne dans cette zone. Par contraste, l'arabe n'est arrivé en Afrique du Nord qu'il y a 13 siècles. Pour diverses raisons, beaucoup de ces langues sont menacées. Elles sont classées par l'UNESCO dans les catégories vulnérables, A, en situation critique. Certaines ont déjà disparu. Même dans les zones où les langues amazighes sont encore transmises, les cultures traditionnelles sont menacées par la globalisation et par une conception de la modernité qui, au lieu de respecter ce qui a traversé les millénaires porté par l'oralité, l'écrase, sans voir qu'en faisant cela, elle se prive de solutions aux défis de l'avenir. Prenons par exemple les famines qui ont ravagé le Sahara. Il y en a eu jusque dans les années 70. En 1950, les habitants d'Idelès ont rapporté qu'ils n'avaient survécu que grâce à la consommation d'une plante sauvage, la tawit, que les anciens savaient reconnaître et préparer. Même dans des circonstances moins tragiques, ne plus savoir nommer, c'est ne plus remarquer et donc ne plus savoir. Là où vous voyez une seule chose, des dates plus ou moins différentes, un cultivateur des oasis amazigh, dépositaire d'un ensemble de savoirs accumulés pendant des millénaires, connaît plusieurs centaines de termes qui renvoient à des variétés différentes, mais aussi différents degrés de maturation permettant divers traitements de conservation, diverses utilisations, s'adaptant plus facilement aux sécheresses, etc. En un mot, permettant la résilience en cas de difficultés climatiques. Faute de temps, je ne mentionne pas ici d'autres connaissances traditionnelles amazighes concernant la façon de faire pousser diverses cultures vivrières au pied des palmiers. Les systèmes d'irrigation de ces oasis sont parmi les plus sophistiqués du monde et permettent la survie des habitants toute l'année. Toutes ces connaissances passent par les langues amazighes. De même, tout l'enseignement qui se faisait autrefois par l'oralité à travers proverbes et devinettes, contes et chants s'éteint après avoir été porté par le souffle vivant des mots de parents à enfants depuis des millénaires. Aucun livre, aucun dessin animé ne pourra rendre tout ce qui se transmet à travers le rythme, les images, la mélodie, les métaphores, les associations d'idées de la culture traditionnelle. Toutes ces connaissances méritent d'être enregistrées et préservées, de la bouche de celles et ceux qui possèdent encore ces savoirs dans leurs langues amazighes diverses. Comme une langue disparaît tous les 15 jours dans le monde, et qu'il n'y aura jamais assez de linguistes professionnels pour enregistrer tout ce qui devrait l'être, j'ai créé un programme appelé Autodocumentation qui vise à aider tous les amazighs qui le souhaitent à préserver leurs langues diverses et leur patrimoine culturel pluriel. Ce programme de soutien comprend un site web, une chaîne YouTube, des réseaux sociaux et sera bientôt enrichi d'une série de tutoriels. La formation que nous avons donnée l'an dernier à Lilara avec Massinissa Garaoun fait partie de ce projet. Gratuite et destinée aux amazighs et à leurs descendants, sur place, en Tamazra ou alors en diaspora, en Europe, au Canada ou ailleurs, elle vous donne des outils pour participer à la sauvegarde des savoirs ancestraux et du patrimoine linguistique amazigh à travers, entre autres, l'initiation à la prise de vue avec des smartphones,
l'apprentissage de méthodes pour préparer vos scripts en fonction de l'activité à documenter et l'acquisition de techniques pour réaliser vos enregistrements. Je donne la parole à Massinissa Garamoun qui assurera la formation cette année. Vous pourrez la suivre à distance ou en présentiel à Paris. Bonjour, Azoul Hiyadidouan. Je m'appelle Massinissa Garamoun. Je suis doctorant et prépare une thèse sur ma langue maternelle, la Fasahlif du massif des Babor, en Kabylie orientale. Je suis également enseignant à l'ILARA au cours d'autodocumentation des langues amazighes. Quelle est l'importance d'enregistrer dans la langue? Plusieurs langues amazighes ont récemment disparu sans avoir été enregistrées. Par conséquent, leurs descendants ne pourront pas les réapprendre. De nombreuses autres langues amazighes sont en danger d'extinction. Il nous faut donc les enregistrer avant qu'il ne soit trop tard. C'est par exemple le cas de la talérite de Tmassin, une variété saharienne qui n'avait jamais été documentée. Celle-ci est particulièrement menacée puisqu'elle est aujourd'hui rarement transmise aux enfants. L'extrait que vous allez écouter est un conte. Ibn Khaldoun disait que l'on pourrait remplir des bibliothèques avec les contes amazighs tant ceux-ci sont nombreux. Il est de notre devoir de constituer ces bibliothèques orales de Thamazra en enregistrant autant que possible cette littérature. حوت بن السلطان قلت له مثلا تلايشت متمطط تسحرت تخدم سلجة ما تغرس يتمططو غرس سبعة تكتوبة كل كيف كيف تشابهت كل كيف كيف ما تتي تقارس نمت وانا جاي وسدي غلب تاكشوتي انت غرس سبعة لكن انت تقار غري تاكشوتيشت وقلنا قاعد يغلب تاكشوتي وجنود ادي اول الملك Voici la vidéo d'un herbier. La connaissance des noms de plantes est un savoir détenu par de moins en moins d'individus à cause de l'urbanisation et de l'absence de valorisation des savoirs ruraux. Elle est pourtant indispensable pour réaliser des préparations à base de plantes, par exemple gastronomiques ou encore médicinales. Dans cette vidéo, je compare les noms de plantes dans l'arabe et le berbère pratiqués dans les montagnes des Babor, en Algérie. Ici, malgré l'arabisation linguistique de la majeure partie de cette région, des savoirs et des éléments culturels et linguistiques amazighs se sont conservés dans l'arabe local. Il faut savoir que lorsqu'un parler berbère a disparu, il reste possible d'essayer de retrouver et de sauvegarder des éléments amazighs conservés dans la langue qui l'a recouverte. تمر زي زويت تمر زي زيت تاسوليا تاسوليا سلة بيزدود بيزدود Bouzdouz. Emergesif. Emergesif. Neglesif. Quelle est l'importance de la collecte des savoirs? Chaque communauté dispose de connaissances qui lui appartiennent en propre, développées au fil de générations d'observation, d'expérimentation et de transmission. La langue est intimement liée à ces savoirs. Pour qu'un savoir soit correctement transmis, un enregistrement complet mettant en relief les différents points techniques est indispensable. Par exemple, pour une recette, il est très important de filmer les gestes, les quantités, la qualité des ingrédients, etc. Cette précision est souvent liée à la langue, comme dans cette préparation de yaourt appelée igissi, associée à un lexique qui lui est spécifique. Par exemple, urtar, la figue sèche non mûre, ou Irindar, le latex de figuier.
هما هما سيتات ست اه افك غادي اودي تسوم وتسيف مولا زورا ديدني التبرانت ديدني كيس وقار ما لا ولا شقار ديدني كيس خران تيقيت نغندر سجل جدران تبرانت. Voici un exemple tiré de l'oasis égyptienne de Siwa qui correspond au point extrême oriental de l'amazérophonie. La langue s'y conserve, mais elle est en danger et divers facteurs sociologiques la menacent. L'extrait que je vais passer me permet de vous montrer comment dans l'autodocumentation de l'artisanat, les points techniques doivent impérativement être précautionneusement filmés et commentés. تيزن داوير ون نعمر سقدسن كل شيء نعمر سقدسن تعدال نعمر سقدسن تقروشين نعمر سقدسن تمصليين تمصلت نظلي تمصلت نلوادي تمصلت ناطراح ويارو نوبة الشغل نقيدان أمرا الشغل تلتاوين يعمر تيزن هانتا معامير تيسي وين ترقع Enfin, j'ai tenté à travers le documentaire dont je vais maintenant vous passer un extrait, de réaliser à la fois de la documentation des savoirs liés à un animal, la salamandre, par exemple son observation par les paysans dans le calendrier agricole ou sa symbolique dans la poterie, et de laisser un message, un appel, dans le but de générer une dynamique écologique locale. En effet, la culture est en lien avec l'écologie, d'autant plus lorsqu'il s'agit de cultures rurales qui ont hérité de pratiques traditionnelles respectueuses de leur environnement. تقنيقني ضربي ديك فنادي ما تدر دي ندر ما تنجر دي نجر ولا دي نكمي أفوس قفوس دا تنسلك دا تنطمن L'autodocumentation est possible pour chacun, pour chacune. Elle peut avoir lieu dans son environnement personnel ou familial, voire à distance en se reliant avec son village en Afrique du Nord. Il y a énormément de savoir à documenter, et tout le monde peut trouver des sujets à l'autodocumentation à partir de ses propres centres d'intérêt. Des tutoriels en cours de réalisation seront accessibles sur le site du Lacan pour aider chacun sur le plan de la technique et de la méthode. Pour le reste, je vous dis à bientôt sur la chaîne Amazir Languages ou au cours d'autodocumentation des langues Amazir de l'Ilara, pour lequel vous trouverez les détails de l'inscription sous la vidéo. Rejoignez-nous pour cette formation gratuite offerte par l'ILARA et conçue par le projet Langues Amazir en danger. Les détails sont sous cette vidéo. Thenmirth, merci pour votre attention. Et pour finir, voici quelques témoignages des participants à la formation de l'an dernier. Harasarat.